Salut les gens, c'est Tardarin, on se retrouve pour la suite de notre série en multi avec Splan, Broodaf et le Signe Noir sur Europa Universalis 4. Bonsoir messieurs. Hello, hello. Coucou. Coucou les vassaux. Coucou les vassaux. Bim. Quoi? Alors, à l'ordre du jour, l'ordre teutonique. Comment rejoindre la Koala contre Venise? C'est ça. Alors non, moi de mon côté, j'ai préparé une guerre contre une partie du Saint-Empire. Hein. Ouh, ils sont chaud, gentils, c'est chaud. Un peu hérétique, donc je vais commencer par taper l'empereur et ensuite j'irai taper la bohème. Ouais, j'allais dire, tu vas débohémiser tout ça. C'est ça, mais peut-être qu'entre temps, je dirais aussi vassaliser Kazan. Et ben nous, on va commencer la. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le débrief du dernier épisode, vous n'avez pas vu que j'ai relâché Naples et ça va me donner un casus belli de reconquête pour attaquer la Castille, Aragon et même les états pontificaux. Et ben moi, je pense qu'on démarre dans quelques minutes, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Broodaf? Bah ouais. Je veux tenter de se rapprocher un petit peu. Ouais. Il y avait une stratégie pour défoncer complètement le pape, mais visiblement. Bah non, on va le faire en deuxième guerre, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un casus belli de reconquête sur le pape aussi. Mais le problème principal, c'est que si je coche le pape et que j'attaque Castille avec un casus belli de reconquête, je ne peux pas utiliser la reconquête sur le pape. Ça ne marche pas. Que je me donne la terre à moi, que je la fasse libérer pour Naples ou que je la donne à Naples, ça fait la même expansion agressive. Ok, je suis en place. Hein. On est d'accord, Broodaf? Moi aussi. Parfait. Reconquête. L'armée n'est pas à fond, mais bon. On va prendre, je pense, Salentin. Par contre, c'est où Salentin? C'est ici. Je coche Raguse, tout à fait. Et je coche le Portugal. Le Danois, t'avais envie de venir? Bah non, puisque le Portugal, il veut pas me lâcher les Caraïbes. J'ai déjà sacrifié tous mes armes de mission dans cette partie. C'est parti. Il fait trop chaud dans les Caraïbes pour toi. Eh, franchement, j'ai sacrifié mon arme de mission pour pas aller taper le teuton et j'ai sacrifié mon arme de mission pour te laisser l'Afrique. Tu pourrais me laisser les Caraïbes, quoi. Oh, pour te laisser l'Afrique, attends, j'y étais 50 ans avant que tu connaisses ce que c'était l'Afrique. Eh bah, ça empêche pas que je pourrais y aller. Quand même de dire que moi j'ai juste pas d'arme de mission. Hein. T'as pas d'arme de mission? Bien chanceux d'avoir des armes de mission. Bah, j'ai un vieil arme de mission qui a jamais été réop, quoi, donc. Ouais, mais l'objectif de la série c'était de montrer les nouveaux armes de mission de Lion of the North quand même. Ouais, mais bon, tout le monde pouvait pas jouer dans le Nord, hein. Excusez-moi. Et le Portugal, il avait été bien up. Hein. Et j'aurais joué dans le Nord, hein, il y aurait pas eu beaucoup de place, hein, quand même. Non, il n'y aurait pas eu beaucoup de place. Hop là. Bien. Bon, moi, vu que je vais me séparer de la France, j'ai été lui prendre tout ce que je pouvais prendre en termes de faveur. J'ai demandé de la thune, des marins, des soldats. Bravo. Je pensais que j'ai des points de faveur avec elle. Belle mentalité. N'est-ce pas? Donc quoi, il m'a bien servi, j'ai utilisé ma confiance à son égard. Donc maintenant, avant qu'il m'entraîne dans une guerre contre tout le Saint-Empire qui ne me rapporterait rien, hop là, au revoir à la France. C'est clair. De toute façon, j'ai pas besoin de lui pour aller défoncer l'empereur, hein. c'est la S. Par contre, avec sa coalition contre lui, t'as toutes les bonnes raisons de penser que tu vas te faire défoncer. Voilà, donc... Si tu restes avec lui. Donc, au revoir la France. Oh là là. Quelle honte. Ouh, où est le petit général 2 étoiles avec 2 sièges qui fait du bien? La France me demande des faveurs. Voyons. Le français. Il est amusant. Il fait son comique. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va aller récupérer un petit peu de mission. Marienbourg, une ouais. Merde! Bah oui. Pourquoi je me suis fait défoncer par les états pontificaux? Parce que t'es mauvais, Jack. T'es 122 bateaux. La tôle! La tôle! Alors, les upgrader tes bateaux au fur et à mesure. Hein. Ouais, je sais, je les upgrade jamais, mais quand même. Eh, d'abord, c'est cher, hein. Vas-y, t'as qu'à payer, toi. Bah. Moi, je peux pas les upgrader pour le moment. C'est vrai que t'as pas de tech, toi. Ah, ça va. Alors, venir, moi, ça va je venir. Vais prendre rabaissement des bourgeois. Ça me permet de, bah, d'avoir de la corruption en moins, de payer moins cher en coût de gouvernance des compagnies commerciales, ce qui met ma gouvernance à rien. Quoi. Là, je suis à 352 sur 937.
Non, par contre, là, il a que 4 bateaux, faut pas me prendre pour un idiot non plus. Ok, c'est tombé. Alors du coup, intégration de la Suède à leur pause. GG. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, danois scandinave. J'en connais un qui va former la Scandinavie. Combativité de l'infanterie de plus 10% pendant 50 ans. L'événement unification de la Scandinavie va survenir. Pendant que tu fais ça, moi, j'attaque. Moi, je gère ma nouvelle colonie. Les pays de Scandinavie n'ont plus besoin d'avoir découvert la technologie administrative 20 pour être formés. Ok. Ah bah oui, belle montée. Tellement un arbre de mission pété, les Scandinaves. Ouais. Non, mais c'est complètement abusé tout ça. Et une petite dévaluation monétaire, comme ça je rembourse mon emprunt. Bah voyons. Bah ouais, on est comme as. Carrément. Du coup, il reste plus qu'à être en paix. Quelque chose qui devrait être, je pense, faisable. Alors par contre, en termes de bateaux et autres joyeusetés... Toi... Je vais passer en vitesse 1, est-ce qu'on peut relâcher la pause ? Laisse-moi 2 secondes parce que j'ai un sacré déficit du coup avec tous les trucs de l'autre là. Il suffit de faire des états, c'est pas compliqué, tu peux faire ça in-game. Ouais, on va aller refaire ça, c'est parti. Je laisse à 1 pendant quelques temps et tu me dis quand je peux repasser à 2. Vous êtes sérieux? Personne n'a de morale? Bon, ils ont fait une brèche, là, faut y aller. Petit truc là, là. Hop, ça c'est fait. J'attends encore un peu. Tu peux y aller, c'est bon. Passer en vitesse 2. De toute façon, je vais devoir remettre pause à un moment pour... Ah, cool, il y a des hérétiques dans l'eau des gens que j'attaque. Je vais pouvoir les convertir. Ici aussi. Hop. Ça c'est bon. Allez, on est chez moi là. Va-t'en. Ok, alors du coup, pourquoi on est que à 75%? Parce qu'il doit y avoir resté des trucs sur le territoire. Parce qu'il y a ses colonies déjà, et il doit avoir des petites îles à la Bormolle par-ci par-là. Ses colonies, bah non, puisque Brodef lui a tout pris du coup. Il a, bah non, il a chopé. Canada. Il a chopé mes Bermudes. Non, il a jamais eu le Canada, non. Ok. Autant pour moi. Et oui. Piètres uniformes, moins 5% de morale. Oh les bâtards. C'est la conversion. Bah, bon, ça, faut faire quelque chose. Bien. Attends, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Pourquoi il est là lui? Toi, attends. T'es qui? Tu dégages. C'est le maître du monde. Ça va, tranquille, Bodef? Pas trop dur? Alors, on a perdu Bodef. On l'a perdu ou il est juste mute? J'avais oublié de retirer le mute. Voilà. Voilà. Quel lâche moment une ça, défaite là. Une bataille navale qui a une défaite, c'est une blague ou quoi? Ça va très bien, je vais lui prendre sa capitale. On se moquait de mes bateaux. Mais la claque que je me suis pris quand même, c'est abusé quoi. J'étais pas prêt. Pousse. On avait dit qu'on se battrait. Mais en condition que je le gagne. Bah oui, les bateaux, c'est pas normal. Pourquoi je perdrais avec mes bateaux? Alors, du coup, le problème qu'on a, c'est qu'il paraît que il y a des pays sur le continent avec lesquels on est en guerre, notamment ce truc-là. Là. Utrecht. Il y a des mecs qui viennent chez moi, terrible. Ils essayent de me piéger, t'es sérieux? Dans la frise, c'est contre la frise qu'on est en guerre. J'ai fait mon petit truc trop tard. Quel pas malin. Ah, du coup, on est obligé de faire ça. Non, c'est bien les trucs. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça, c'est bien les trucs. Allons-y, on va débarquer. Ah, ça dépend, les cons ça ose tout. Est-ce que tu vas oser? J'ai osé séparer mes bateaux. Oh là là, oh là, oh là là. J'ose. Allez, désastre imminent, voyons ça, la guerre du comte. Mmh. Ils ont bien de te préciser qu'ils étaient pas tous d'accord avec ta façon de gérer les affaires, les Scandinaves. Ok, les bateaux ici ils ont disparu donc je me cache. N'a pas d'héritier à une nouvelle dynastie.
Ah. Oh. C'est vrai que ça craint ta vie. Il y en a qui viennent de se faire tac wipe la gueule en face. Bah. T'es ton... passé de Valois ? Non, t'es pas passé de Valois. Non, non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fume. Ah, fin du siège de Bayreuth. Allez, on va aller mettre des baffes du côté de Sternberg. Bon, par contre, du coup. 21-0, j'aimerais bien être le premier. Y'a pas moyen de le sortir tout de suite. Bon, pour l'instant, c'est compliqué de rétablir la thune. Clairement pas. Mais oh, les guerriers n'y pas. Ils abusent. Trêve avec Aragorn dans 10 mois. Faut qu'on ait fini dans 10 mois, hein, Bodef. Ouais, bah moi là j'ai le pape qui vient aider le Castillan. Ça, ça, mais ça, t'as que la moitié de ses troupes. Ouais, mais vu que j'ai éclaté les miennes, c'est un peu problématique. Fais gaffe à tes 6000 en Navarre. Et Ouais. Bah là il va à Palencia, il va plutôt sur le siège là. Les 6000 à Navarre, il faut que tu rejoignes tout à Léon sur le siège. Parce qu'il est à 14%. Ceux qui sont à moins 42, c'est pas la peine. Et hey, les autres, Boudaf. Oui, les autres. Je me suis trompé quand j'ai voulu faire la pause. Oh là 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 là, la tôle que tu vas te prendre, c'est trop tard là. C'est clair. Non, tu vas tenir. Pas sûr. Si, tu vas tenir. Voilà, faut appeler le Davos, c'est tout. Tu vas avoir deux renforts à temps. Par contre, elle est où le reste de ton armée? C'est pas toute ton armée, ça, quand même. Si, j'avais 25 000 hommes sur les 30 000. Ah ouais. Je vois pas 25 000, là, je vois à peine 10 000. Oui, bah, on fait comme on peut. Hein. Mm. Nous, on fait pas des armées, on fait des murs, normalement. C'est clair, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Ah, consolide et puis redivise-toi, de toute façon, parce que là, il repart... Quoi qu'il repart en Navarre, à mon avis. Bon, je suis en train de me faire doubler à Milan, là, il me saoule. Unité religieuse. Ça pique. Alors, hop. Ici. Oh là 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 là, mais est-ce que je le remets dans la tronche? Je crois que je viens de faire une grosse bêtise. Est-ce que les Égyptiens sont déjà acceptés chez moi? Non, je viens de perdre 1000 pièces d'or. Ou alors, faut que je trouve un autre endroit pour faire mes Égyptiens. Mais si j'allais le harceler sur le château là-bas, comment il a fait pour passer de 0 à moins en fait? T'as enfin le Canada! Ouais, je vais mettre pause 2 secondes pour choisir le nom. Alors, c'est quoi? Colonie de la couronne, société coloniale ou colonie autonome? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. Attends, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Ouais, une colonie de la couronne. C'est bien pour ça qu'il faut pas que t'aies de colonie en plus. Les colonies autonomes ont un colon. C'est les seuls. Ouais. Par rapport à avant. Avant, toutes les colonies faisaient de la colonisation. Maintenant, il n'y a que les colonies autonomes qui font ça. Ok. Alors, ce sera la colonie autonome. Et les colonies de la couronne, c'est bien pour les flottes des Indes. Ouais. Moi, j'aurais caché ça, mais bon. Bon, de toute façon, c'est pas au Canada que j'aurai des mines d'or. Toute petite pause. 36 sur 57, ok, bon bah c'est lui qui décide. Ah, et si je mets une baffe en grande bourgeoise. Il reste plus de troupes en grande bourgeoise. Allez, on va aller là. Il reprend Pérouse, bien sûr, mais ça me permettait d'avoir la vue ici. Et de piller un peu. Allez, on impose la religion, on prend des repas de guerre. Et on prend un petit peu de pognon. Ça s'est bien passé, Boudaf? Ah non, t'es en train de te faire envahir alors que t'as toujours. Pourquoi t'as 15 000 hommes sur Léon? Alors qu'il n'y a personne parce autour. Parce que, ils reviennent. Bah, même s'ils reviennent, tu peux avoir la moitié de tes troupes qui soient à côté. Ils n'ont pas dessus. T'es pas obligé de te prendre une attrition de malade juste parce que t'as envie de te prendre une attrition de malade. Ah merde. Non, un commandant m'a quitté. Ça, c'est une erreur, je pense. Hop là. T'as Pontifico, je pense qu'il va pas. Il va pas vouloir. 35-55, ouais, c'est encore un peu l'âge. J'espère que je vais pas être obligé de prendre Rome là, il me saoule. Ah, ou alors faut mettre des baffes à ça. Mariage royal avec la France et Rome. Ouais, ces troupes, y'en a plus. Hein. De mon côté, y'en a plus. Bah, ouais, mais chez moi, y'a 9000 hommes, mais je suis pas trop en état de leur taper dessus. Oui, mais je vais le sortir avant. Le problème, par contre, c'est qu'il donne ses sièges. Ça va, il prend une partie des sièges pour lui. Déjà, ils vont sauter quand on va.
Je vais aller sur Naples aussi. La Corse a conclu une alliance avec les États pontificaux, ça ne les sauvera pas. 36-47, ça s'est nettement rapproché, Boudef. Je prends trois provinces, là. Je pense qu'après, ça sera nickel. Test de renforcement augmenté. Et bientôt, coût de développement moins 10. Je m'en fous. Combativité galère plus 25. Je m'en fous un peu aussi. Oui, on y va comme ça, on va voir là, si ça passe. Là, il y a des buffs à les mettre. Allez, on se dépêche, on se dépêche. France veut attaquer le Nivernais et Strasbourg. Ah bah. Strasbourg appartient à l'Empire et S le protégera. Oui, je viens. On t'avait pas du tout prévenu. Non, bah franchement, ça va, l'Empereur là. C'est personne. État pontificaux. Ouais, non, l'Empereur c'est que Chi, hein. C'est sorti. Paix à 7 ans. Ah, je finis mon siège et je vais la faire aussi la paix. Ok, on y va. Puis toi, t'as fini de ton côté, donc t'es tranquille. Quasiment, il me reste un siège à aller faire. Ouais, prends c'est nickel. Thune. Prends ça et ça. Et en plus, je viens de remporter Raguse. Raguse me propose immédiatement de me payer 10% de... Mais je t'avais coché, Raguse, donc bah écoute. Donne-moi tes bateaux. C'est maintenant Christopher IV de Valois qui va gouverner notre patrie. 5-5-5, le de Valois, quoi. Ouh, ça fait plaisir. Fin du siège de Brême. Ah là, une bonne nouvelle. Bon, attends, il se passe trop de trucs, là. Je suis désolé, j'en mets pause. Mais non, il se passe pas trop de trucs. Allez, mission menée à bien. Le Portugal veut faire un mariage royal. Je sais pas si j'accepte, hein. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Un modificateur d'armée. Bonjour, la stab que vous allez perdre. 10% de combativité de la cavalerie. La tradition est le plus 0,75, le 5% vitesse de mouvement et un meilleur ratio à la cavalerie. Wouah! On en avait parlé de ça! Et un discipline plus 5%, 75% moins cher! Viens donc, mon coco! On en avait parlé de cette mission! À faire du bien à mon budget et ça va faire gagner plein de points que je vais dépenser en plein de généraux! Boudaf, il est tranquille, la Navarre! C'est un siège à combien? Allez, c'est un siège à 6000, Baudaf, mets 7000 hommes, pas 11. Allez, tuez-le. Merde, moi c'est pas les bons, je retire là. Je suis excommunié! Non. Pourquoi? Bah si, comme non, t'as... c'est pas possible ça. Bon, par contre, je suis en train de prendre la cible de guerre en dernier, donc... Bon, là malheureusement, il va falloir... J'aurais dû mettre une cible de... Ah bah non, je pouvais pas mettre une cible de guerre de ton côté, Boudef. C'est chiant, mais c'était pas. Une erreur de ma part. Et là, tu vas pouvoir reprendre tout Naples en reconquête plus mes filles et mes provinces? Ou oui, il va falloir oui. Que je fasse une paix séparée? Normalement, dans une paix globale, je peux te filer 5 provinces. Ou 4, ça dépend lesquelles tu choisis, en fait. Mais est-ce que t'as été occupé les petites îles, là-bas? Parce que si t'as pas été occupé les petites îles, ah oui, bah il faut que tu te dépêches parce que dans ce cas-là tu pourras pas les avoir. Parce que je pourrais pas je te donner des paix, trucs que tu occupes pas. Non, il veut pas la faire encore. Bon bah, je veux pas encore ma paix. On va attendre un petit peu d'avoir tout occupé pour simuler, ce sera plus facile. Trop de trucs qui se passent. Ça c'est dans le patrimoine, je peux commencer à lister plus de trucs. Très bien. Beaucoup trop de trucs qui se passent partout. Faut terminer avec ça. Bam. Bon, alors la S elle doit être dans un sale état quand même. On a fini Boudaf, hein. Quasiment, je suis en train de prendre Navarre. Et une troupe qui est partie prendre les îles. Ouais, mais je pense que ça sera trop tard, la paix va être faite avant. Presque sûr. Allez, faut que ça déjà, tombe. Je l'ai... Voilà. Hop. J'ai oublié Silet. Eux qui font qu'elles sont là. Importantes pour moi déjà. Peut-être que tu pourrais me les filer à ce moment-là, je sais pas. Bah ça dépend si tu les occupes, oui. Sinon, non. Et puis moi, c'est de l'extension. Je suis très juste en extension agressive, donc je peux pas les prendre puis après te les vendre. Bah sinon, je fais une paix séparée, hein. Mais du coup, toi, le problème, c'est que. Il faut que t'ailles siéger après chez lui. Et ça ralentirait la guerre contre Aragon. Oh non! Le Kazan s'est fait bouffer.
Ah, tu sais que les îles, ça, tu peux les... Ah bah de toute façon, c'est bon, t'y es là. Bah oui. Je t'ai dit que j'étais en train d'y envoyer une troupe. Le Moscovite, ce petit fumier, il a bouffé Kazan pendant que j'avais le dos tourné. Je fais ma paix, je vous demande deux secondes. Rétrocéder. Ça, ça nique mes plans, je vais me faire un deuxième vassal là-bas. Tu vas voir qu'il va avoir lupé sur la France, le signe. Alors, 18-7, 58. Et maintenant, si je lui fais donner... Si on contestera, on fera la guerre. C'est nul, ça. Parce que là, techniquement, il a pas d'héritier. T'as un mariage avec lui, t'es sa dynastie, tu peux revendiquer le trône et l'attaquer. Tout à fait. Direct. Ouais, t'auras un malus, mais c'est pas grave. À une exception près, c'est que pour l'instant... Et ben on est en guerre ensemble. Oui, mais ça, tu fais une paix séparée. Tu peux faire une paix séparée. Mais le temps de briser l'alliance, il en a pour 10 ans, quoi, donc ça va être compliqué. Mais non, c'est pas grave. Tu attaques, tu te bouffes à moins de 2 stabs. Oui, et tu prends aussi une expansion agressive porcine comme il a fait avec l'Autriche, tu te prends tout le Saint-Empire dans une combat contre toi. Oh. De toute façon, il veut pas faire la paix pour l'instant, la Castille. Ah non, il veut pas parce que j'ai proposé, parce que t'occupes pas Navarre. Et tant que t'occupes pas Navarre, je peux rien te donner dans le nord. Bon. Il gueule qu'on n'a pas la forteresse. Mais de toute façon, je suis à 21% dessus. Go. Oh bah, la France s'en occupe, parfait. Alors du coup, on est en guerre. Tous mes canons. Ah, là, si tu es supérieur à 5, on va la laisser. Oui, bon, il fait le taf là, il y a rien besoin de faire en fait. Oui, dans 8 ans, c'est long. T'es allié à qui? Personne. L'Aragon, donc quand on l'attaque, qui est-ce qui vient? La Toscane, ok, donc je vais aller me placer là-bas. Un ici. Un ici. Non, on soutient le nouveau monarque. Rien à foutre de la guerre des comptes là. Les prétendants, ça, on les belle, défonce. Ok, donc je suis positionné pour Aragon. Bon, moi j'ai les deux petites îles. Les prétendants au trône, on les défonce, nous. Venise. Ok. Ça va rejoindre là-bas. Je suis prêt, faut que tu tombes. Ou alors, on fait une paix. Hop, je regarde ce qu'on peut faire. Alors. Non, mais je vais. Il est à 35% le fort, il va bientôt tomber. Hein. Ouais, de toute façon, il veut pas faire de paix à 88%, donc. On va pas lui faire autre chose qu'un 100%, il lui manque quelque chose là. Ah, le Brésil Castillan, ah ouais. Ouais, mais ça va. Ah, mais attends... T'as perdu combien? Bah ouais, mais on chose, pourra pas faire un 100% au bout d'œuf. Un commandant là. Je pense pas, on va voir, mais. Dès que ça sera tombé, on verra combien on peut faire. Bon, la France, on va au moins attendre qu'elle finisse de gérer mes rebelles à trahir. Plus du sel, oh non, productivité, moins de 10%. De toute façon, pour l'instant, ils réunissent mes troupes. Hein. Pour l'instant, il veut bien que je te donne les deux petites îles et Biscay. On attend que ça tombe. 57. Ah ouais, j'ai vu ça. C'est quoi ce truc? C'est fait. On a capturé un mec, ça fait moins 5 d'agitation sur toutes mes provinces. Du coup, c'est un petit peu le bordel. La pop-up de l'événement, elle sort de l'écran 3 fois, quoi. Godaf, on est d'accord que je te donne Navarre, Biscay, Cantabri, en plus des deux petites îles. Allez, toi tu viens là. Ouais. Comme ça, normalement le français peut pas l'attaquer. Ah, je pourrais aussi former l'Islande plutôt que la Scandinavie. Ça vaut pas le coup. Hein. On y va? Ouais, j'y crois pas trop non plus. Deux petites secondes. Hop, je récupère ça. Ouais, si tu veux, on peut y aller. Et je risque de devoir prendre des mercos, moi. Hein. Pas forcément. Bah, il a quand même pas la guerre la plus dure.
Il a les hommes chez moi, en tout cas, hein, l'Aragon. Oui, mais tu as oublié les 21 000 Toscans, là. Par contre, ils viennent chez toi, donc du coup, je vais... qu'est-ce que je fais? Non, je reste en Toscane, je vais essayer de le sortir. Planque-toi. Ne fais pas la guerre, casse-toi. Laisse-moi gérer la Sardaigne et la Sicile. Et après, je viens chez toi. Et en même temps, je commence à siéger le Toscan. Mais planque-toi, va au Maghreb. Va plus loin ouais, encore. C'est en cours. S'il le faut. Parce qu'apparemment, là, ils ont décidé de tout envoyer sur toi. Bon, il va gagner. Bah oui, ils sortent... celui qui est pour l'instigateur de la guerre. Hop, ils reviennent. Avec ses 61 000 hommes, il revient sur moi, là. Ça va être chaud pour moi. Ah, l'Aragon a fait demi-tour aussi. Ok, ils viennent tous sur moi, bah tu peux remonter. Pour l'instant, il est encore au niveau de ses... oh, purée, de ses provinces à lui, alors... Et vu la faiblesse de mon armée, si tu veux, je vais quand même attendre avant d'y aller. Pas de soucis. L'empereur, il doit être bien seul là, sans alliés maintenant. Nap, il a 1000 hommes, mais il aurait le droit d'en faire plus hein, s'il veut. On a un emprunt qu'on pourrait rembourser. Il siège les Pyrénées, enfin la Navarre plutôt. Ah, l'Aragon il a divisé ses armées en deux. Ah, ils reviennent tous vers toi, moi je retourne vers la Toscane. Avec un peu de chance, on va lui faire faire des allers-retours. Hein. Le temps que je tombe la Sicile. Ouais, Sicile. Est-ce que le Danois il veut venir dans une guerre contre la Bohème? Bah écoute, là j'étais plutôt dans l'idée de lancer une guerre contre la France, donc et éventuellement si tu voudrais venir, si t'es chaud. Je vais aller sur la Bohème tout seul. Ça va puter. Son épée. Ça va puter. Et moi je suis devenu un empire. Non, ah de te foutre si. De la gueule du monde, Vodaf, sérieux. Et nous pouvons former la Scandinavie. T'es un empire avant moi. J'ai 1000 points de développement. Moi aussi j'ai 1000 points de développement. Oh le jeu ouais, mais il avait pas... Voilà, enfin on a une vraie couleur qui se détache de l'Angleterre. Quand même. Bien joué. Ah, il faut un prestige de 75. Ah bah fallait prévenir depuis le temps. J'ai reçu. En même temps ça donne surtout la capacité de gouvernance. Ah oui, non, ça, c'est et j'en avais bien besoin moi. Elle est où la mission là? Intégrer les Lapons. Ah d'accord. Bah, faisons ça. A chaque fois, vous voyez une pause du signe, hein, vous avancez 30 secondes sur la VTO YouTube. Ah, mais c'est bon. Ça va, hein. Du coup, c'est vrai que si vous avez ma vue, vous avez plus que 15 minutes de vidéo. Jamais content. Ouais, 30 secondes, t'es généreux. Hein. Ah, parfait. La Toscane est pas venue, ça c'est parfait. Et l'empereur, il a toujours pas d'assis. Il a le Württemberg, autant dire personne. Là, c'est un peu beaucoup quand même. Et un peu beaucoup. Ouais mais en même temps il nous est faux c'est tout. Merde il est venu me choper, j'avais pas vu. Bah il est remonté le Toscan. Je tente une fuite. Bah il m'a chopé deux fois. Allez là on les défonce. Et bon ça l'occupe. Vite fait. Il a mis l'homme chez l'Aragonais. Il y a beaucoup de séparatistes chez moi je trouve. C'est beau les mercenaires, c'est tellement remplaçable. Allez, on va remplacer par un autre mercenaire du coup. Ah, mon manpower a quand même pas mal progressé. Toi tu restes plus de 350 maintenant. Moi je suis capé. Hein. Et vous, pourquoi vous êtes pas... Pourquoi vous êtes toi de toute façon t'as que des mercos. Putain, qu'est-ce que... Je me gourde de boutons. Par contre là ça c'est pas bon ça. J'ai perdu la Navarre. La Navarre est tombée. Ouais. Ça me fait penser qu'ici il va falloir influencer un petit coup. C'est un bon général ça. Allez, on va chercher. Ok.
Troupe 79, donc il manque 11, ça devrait être possible de l'annexer juste après. Oh, il revient, il a vu que j'étais revenu, il revient aussi. Mais c'est fou ça. Quel harceleur. Il y a des lois contre ça. Waouh, c'est un peu la merde dans le pays là. Toc, embarque, on va gérer ça. Boudave, moi je vois que 1000 hommes chez toi, tu pourrais peut-être te battre un petit peu. Tu vois pas la même chose que moi, hein. Ah moi, ouais, je vois 25 000 qui vers moi. Ouais, mais ils étaient cachés. Oh, il m'a attaqué, hein, contre 37. Pourquoi il a fait ça sur un château? Il va gagner. Mais il va perdre combien avant de gagner? Beaucoup. Bah, il a perdu, ce couillon. Ah, quel malin. Très bien. Malin. Bah, du coup, on va le poursuivre. Ah, parfait. Un siège qui a été remporté. Ça va nous donner un petit peu d'air, on va pouvoir aller taper quelques bohémiens. Bah voyons, ça c'est vraiment mal, hein. Taper des bohémiens. Pas parce que c'est des bohémiens qu'il faut les taper. Quand si même. Tu peux remarquer, il m'emmerde aussi. Bon, la Toscane, t'es en moyen. Dis-moi que tu sors. Tu sors pas à 39,55, on va te faire un... Ah non, le teuton il veut pas venir, il est en trêve. Venise et Portugal, vous venez contre la France avec moi? File-moi les Antilles. Je vais perdre 25 de prestige. Pourquoi t'es allié? Je suis pas allié à toi. Ah, vous êtes pas cool. Les vilains, si quoi. Tu m'appelles, je perds du prestige, c'est tout ce que je vais perdre. Alors... La Toscane. Alors, ils sont soulevés ici, c'est parti. Tu lâches pas l'affaire, ok. Ah, et de toute façon, il faut qu'on arrête l'épisode de Ardarin si tu veux faire la... Ah, oui, effectivement, il est temps. Eh bien, j'espère que cet épisode très guerrier vous aura plu. Nous, on s'éclate pas mal. D'ailleurs, je me fais éclater une armée, j'avais pas vu, c'est dommage. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. On est ouvert à toutes les propositions, toutes les petites remarques. Non, 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 non. Bah, si. Non. Bah, si. Non, non, excuse-moi, non. Bah, si. Bon, bref. Lâchez-vous dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye.